Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un gameplay qui va vous aider grandement à réaliser les niveaux de mercenaires en SS. Donc moi dans le gameplay que je vous propose, je fais un rang triple S. Cependant, vous pour débloquer le trophée, vous avez juste à faire un rang S dans tous les niveaux. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un rang triple S comme moi. Donc bien entendu, dans le gameplay, j'essaie de ne pas perdre mon combo, parce que le combo, c'est ce qui rapporte le plus de points, donc c'est l'essentiel dans ce mode de jeu. Donc moi, comme je visais le triple S, je n'ai pas perdu mon combo. Cependant, vous, si vous cassez votre combo, je pense que ce n'est pas grave. Si vous voulez atteindre le rang S, ce sera largement suffisant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de garder son combo au maximum. Donc si jamais vous cassez votre combo, ben n'hésitez pas à quand même continuer la partie. Alors cependant, moi ce que je vous conseille quand même, c'est qu'au moins la zone numéro 1, donc la première zone de votre lieu, c'est d'essayer de la faire parfaitement. Comme c'est la zone numéro 1, vous la recommencez jusqu'à temps que vous y arrivez parfaitement. Comme ça, vous allez cumuler un combo parfait et vous allez gagner extrêmement beaucoup de points. Ce qui va vous aider pour réaliser les autres zones et qui ne va pas vous mettre de la pression de ouf par rapport à votre combo si vous le perdez. Alors quand vous avez réussi la première zone parfaitement, après ben, vous pouvez continuer un peu plus tranquillement. Donc dans le gameplay, je vous propose une méta. Donc j'utilise certaines armes, j'améliore par exemple la puissance de feu, la cadence, pour moi c'est très important. Le rechargement aussi est très important. Et je priorise les compétences qui font un maximum de dégâts contre les ennemis. Donc moi ça c'est ma façon de jouer. Après vous pouvez aussi customiser cette façon et la faire à votre propre sauce. Cependant moi je vous propose mon gameplay qui à coup sûr, si vous faites comme moi, vous allez réussir à faire un très gros score. Cependant, il va bien falloir retenir les emplacements des ennemis. C'est très important si vous ne voulez pas perdre votre combo. Donc moi, personnellement, j'ai tryhard de ouf le mode mercenaire. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure méta pour faire un maximum de points. Cependant, je pense que ça peut être très compliqué pour certains. Donc en description et en commentaire épinglé, je vais vous diriger vers une chaîne YouTube d'un poteau qui lui a fait une différente méta. En fait, il fait tous les niveaux au couteau et au flashbang. Donc il flash les ennemis et ensuite il les tue au couteau. Donc c'est une méta très spéciale qui je pense est beaucoup plus facile que ma méta. Parce que ma méta c'est que du shoot, donc si vous avez du mal avec le shoot, ben, ça va être compliqué. Que sa méta, ben, il flash les ennemis, donc les ennemis ne vous attaquent pas et ensuite ben, vous avez juste à les tuer. Et à être assez rapide et ordonné pour ne pas perdre votre combo. Donc si jamais cette méta vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon poteau qui sera en description et en commentaire épinglé. Et dernière chose très importante, intervertissez vos touches L1 R1 avec les touches L2 R2. Je vous conseille fortement de faire ça, car moi, ma cadence de tir avec le bouton R2 est très réduite comparée à ma cadence de tir avec le bouton R1. Donc soit vous intervertissez les touches directement dans le menu Options, ce qui va changer par la même occasion votre bouton pour courir dans le jeu. Donc moi je n'ai pas utilisé cette alternative, j'ai carrément été dans les paramètres de la console, donc dans les paramètres accessibilité, et j'ai carrément interverti les touches L1, R1 avec les touches L2, R2 directement sur la console. Comme ça j'avais toujours l'opportunité de courir avec mon joystick. Après c'est juste un conseil personnel, mais vous n'êtes pas obligé de changer vos touches. En tous les cas, moi ça m'a grandement aidé et si vous êtes sur PlayStation 5, moi j'ai carrément désactivé les touches adaptatives. Sur ce, je vous laisse avec le gameplay et je vous souhaite à tous bonne chance pour la réussite de votre niveau. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mec et ciao. Peace. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés, et je le fais pour une somme modique. Votre argent. Un instant, je vous prie. À la prochaine. C'est parti.
Ah, oui. Le voilà. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant.